track temp is 42 Celsius. 40 minutes. P16. The air temp is 27 Celsius. You said you. Follow car number 12. Okay, Thomas, be ready. On va essayer de pas se faire surprendre dans la chicane d'un lop comme tout à l'heure. Enfin dans le premier virage même, hein, c'était même pas la chicane d'un lop. Parce que là en plus si je pars en travers là-bas, alors là c'est fini, je me prends tout le paquet dans le cul. Ouais, on va partir en plein dans la chicane. Green, green, green. Putain, l'autre il a mis un coup de frein juste à l'entrée de Tarte Rouge là. J'aime pas trop ce qui se passe devant là. Ce bordel. Right side. He's still there. Still there. Right side's clear. I was next to you. You just. Yeah. Killed me. Good job. Good stuff. Allez, on va essayer de stabiliser un peu la position et voir ce qu'on peut faire après. Thank you, man. Thank you. Car right. Right side's clear. On your right.
Hold your line. Be still there. Right side's clear. Allez, on essaie de me barrer maintenant. The gap in front is increasing. It's now 2.3. Behind is really new in. The gap's now 0.37. Okay, Thomas, don't let this guy distract you. Il est un peu pressant derrière Tom Elson là. Bon, P12 pour l'instant, ça me va. Allez, vas-y, si tu veux passer, passe. All right. Pop left, slow down. Still there. Hold your line. Clear right. Sorry, mate. Sorry. Il y avait pas mal de mecs qui avaient pas fait de chrono, donc est-ce que ça va être des gars plus rapides? Là par exemple Tom Hemson, sacrément rapide. Ouf. Freiner un peu tard là. Ça a l'air un peu nerveux là sur ce début de course quand même. Je vais pas me prendre la tête, si je dois laisser passer du monde, je laisserai passer. Moi ce que je veux c'est mon top 15. Au vu des paquets qu'il y a. Donc au vu des paquets qu'il y a, à mon avis, on your right. Il y aura sûrement des places à récupérer. Still there. Clear right. Putain, il y a des AMG, putain, les avoines. Hein. Okay, stay with it. Allez-y les gars, allez vous foutre sur la gueule. Je vais essayer d'attendre patiemment derrière. Par contre, pas faire de couilles ici.
side. Clear left. Par contre, faut avancer les gars. Car left. Clear left. V12. Ça bouchonne tellement là. Ouf. Don't use a brake. Don't brake. Just drive right into the guy. Oh, il y a eu un strike derrière. J'ai eu très chaud là. Les grands-mères sont de sortie là, c'est en Le Mans. C'est pareil, les Rémi le lot Arn derrière, à mon avis. C'est un gars plus rapide qui n'a pas réussi à faire un chrono. Donc quand il va se présenter, à mon avis, je vais pas trop lutter. La Mercedes a l'air quand même assez en forme sur ce circuit. Pourtant, j'ai pas vraiment souvenir qu'elle soit particulièrement réputée pour sa vitesse de pointe. All right, Thomas, keep piling on the pressure. He'll make a mistake. Rémi, je crois qu'il a vu le mur de près là tout à l'heure. Pas maintenant. Ça glisse un putain dans les S-Porsche, c'est horrible. Hein. Vraiment sur des œufs. The gap in front is now 404. Keep digging. P11. P11. Très bien. Putain, ça glisse. Rémi, il se fait plaisir derrière. Mais il faudra que je fasse gaffe parce qu'il a l'air un peu tendu quand même, donc
Là, je comprends pas qu'il soit pas pris de slowdown. Parce que aussi bien dans la chicane Dunlop que dans Tertre Rouge, il est parti assez large. Là, il s'en est pris un. Allez. Pour l'instant, ça se passe bien. Devant, ça a une sacrée vitesse de pointe, hein, putain. The gap behind is now 0.9. All right, Thomas, you've got half your fuel left. Encore une nouvelle Mercos derrière, Daniel Porter. Make him do all the work. Focus on your exits. Il y a un travers sur quasiment chaque virage, Rémi. Bon, l'avantage c'est que derrière Daniel Porter, ça s'éloigne un peu. On a 3 secondes, donc il y a un petit gap qui s'est créé. Putain, la sixième, elle est... Rémi, c'est pas l'assurance touriste qu'il y a devant. S'il arrive à finir la course, ça serait pas mal, je pense, parce que là, il multiplie les petites fautes. Thank you.
Et il reste 21 minutes. Bon, il y en a qui est parti tout droit dans le bac à sable. Je commence à me retrouver un peu au milieu de nulle part. Même. Devant, c'est en train de se barrer. Porter behind is now 2.2. That's 20 minutes to go, 20 minutes. That's half distance. On avait notre courageux pilote de Ford GT qui est parti à la faute. Je savais pas que les vibreurs de la chicane ils étaient fluorescents. You've just done a 4.9. Bon alors, derrière on a Daniel qui a 1 seconde 2 et Tobias Canter qui a 3 secondes 5, donc lui il est en train de revenir. Il va falloir le surveiller. Et il me reste 2 tours d'essence. Toujours ces petites glisses. Là. Sur le freinage, je sais pas ce qu'on fait de mieux. En 14e position, on a Septa Lagrand qui est passé à 6 secondes. Donc, par contre, je pense que derrière Tobias, l'écart se creuse. Il s'est pris un slowdown derrière. Ah non, c'est qu'il avait juste disparu. The gap in front is now 4.8 seconds.
is pitting now. Oh putain. Very little fuel left. Hit this lap, in this lap, V4. You've just done a 4:03.1. Bon bah c'est maintenant qu'il faut pousser. 15 minutes remaining, 15 minutes to go. Quand je vous disais Tom Hemson, il était rapide. Le mec est en tête et il a une seconde d'avance. C'est litre, les pneus sont décochés. On est tout bon. Plus qu'à assurer dans ce tour-là. The gap to Oliveira behind is now 8.2 seconds. Il me reste 4 litres, 4 litres 3. Leader's pitting now. The gap to Oliveira behind is now 7.7. Allez, un bon pit. Vera behind is pitting now.
traffic behind. Keep your wits about you. Pour une fois, je me suis pas planté, j'ai bien mis le pit limiteur. Il reste 10 minutes. Je sais pas trop à quelle position je pointe, mais je devrais pas être trop mal, je pense, aux alentours de la 10e position. En termes de position, on est plus ou moins dans le même ordre que tout à l'heure. Et je pense que j'ai repris du temps sur Rémi. Putain, ça commence à tanguer sur les freinages, hein. Je suis peut-être bien plus bas que ça. The track temp's increasing. It's now 44 Celsius. J'ai freiné trop tôt là. Je peux même pas profiter de la speed de Rémi, il s'est barré direct. Ouais, je l'avais bien remarqué ça, merci. You've got 10 minutes of fuel remaining. J'ai tellement la trouille de partir à la faute ici. P10. Voilà ce que j'avais dit. Apexes and exits, apexes and exits. 10th position. Pour l'instant, P10, c'est le résultat presque rêvé. Avec mon petit dossard 28 sur 30, honnêtement, une 10e place, ça serait vraiment un gros résultat. Après, je pense que ça sera peut-être plus P11 parce que Tobias, il est en train de bien remonter.
encore 5 minutes. Il va rester quoi globalement, peut-être 2 ou 3 tours. J'espère 2. J'espère que ça va être le dernier, le prochain, parce que... Ouais, normalement ça sera le dernier. Je suis con parce que c'est à peu près 4 minutes au tour, donc le prochain tour ça devrait être le dernier. Ça va être dur de maintenir Tobias derrière. Je pense que dans... Après Tertre Rouge, il va pouvoir m'attaquer. Ah non, il est parti à la faute. Allez. On se concentre, on fait pas de conneries dans les Porsche. Et on ramène cette petite P10. Ou attention. Good job, you idiot! Good job, mate! Oh my god! Visiblement, Tobias il a eu un petit souci derrière. Ah, il est passé à 13 secondes, 14. Et par contre, Daniel est passé à 6 secondes derrière, donc faut que je fasse gaffe quand même, faut pas que je m'endorme. Ça devrait tenir, mais bon, faut pas faire le con quand même. Est-ce que devant ça va se rattraper et du coup peut-être partir à la faute? On a Matt et Pedro 7 et 8e qui sont quasiment côte à côte. J'ai l'impression qu'ils ont été plus, enfin qu'ils sont plus gentils avec les off-track ici, enfin les slowdowns. Parce que pendant les 24 heures du Mans, c'était une horreur. Et là, on dirait qu'ils ont été modifiés. Oh oh, voilà. What the hell are you thinking of?
Elle est pas finie cette course, moi je vous le dis. Elle est pas finie. Oh, les trois devant, je les sens pas bien. Par contre, il faudra que je fasse gaffe. Il me laisse 3 litres d'essence. Allez les gars, foutez-vous au tas dans les Porsche. Il a un slowdown. Il a un slowdown, Pedro. Obligé, il a un slowdown. Peut-être même les deux. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une P10. Ça, c'est bon, ça. On va regarder leur bataille là, aux deux. On va se mettre en vue Chase, peut-être faire Chase même. Voilà, c'était peut-être déjà même slowdown ici. Là, ça c'est slowdown obligé. Oh là 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 là. Ah, c'est une P9 ça, obligé il a pris un slowdown lui. Obligé il en a pris. Et je voulais voir aussi, c'était Tobias. Ah, je pense que c'est pour ça qu'il a gueulé. Ou peut-être pas, parce que... Parce qu'il avait perdu beaucoup de temps, il était quasiment à 14 secondes donc. Ah. Ah, déjà. Il est où? Il est là. Nils Payne. Ah, le pauvre, il se fait. Je pense qu'il se fait surprendre par le freinage de Tobias. Enfin, de Tobias. C'est pour ça qu'il a gueulé, parce que là je pense qu'il est tranquille. Bon ben voilà, petite P10. Ça suffit largement à mon bonheur. On va aller voir la petite fiche de résultat. Ouais, on va sauver. Hein. Là, honnêtement, je devrais être vraiment pas mal en termes de points. On va se mettre une petite musique en fond. Histoire de se faire striker le son sur, sur YouTube. Non, sur YouTube, je couperai tout ça. Attends, je vais déjà mettre la feuille de résultat. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Un petit Odessa. Ah, c'est pas... J'étais dans quel split déjà? Deuxième, d'accord. Ouais, donc autant dire qu'il y avait du lourd.
Donc 2249. On va attendre de voir un peu ce que ça donne. La session va pas tarder à se terminer. Voilà. Déjà, on va passer en Porsche Cup qui part dans, normalement dans un peu moins de 45 minutes. La série résulte. C'est aussi un Tobias qui a gagné aussi, mais ça me paraissait bizarre. Donc alors, on a dit deuxième split, je finis P10 plus 42. Voilà. Si je déconne pas, en Porsche Cup, les 2300 ils sont passés. Easy peasy. Oh bah, cette petite Maca m'aurait porté bien chance. Hein.